tout le monde et bienvenue pour ce nouveau combat classé. Cette semaine, non, je ne joue pas encore la team que j'ai joué à Liverpool puisque je tourne ça avant. Et du coup, je me dis, bon, je vais attendre un petit peu pour vous jouer cette team-là. De toute façon, c'est probablement une team que je vais beaucoup jouer en combat classé par la suite, quel que soit mon résultat à cette compétition-là. Évidemment, je suis dans le futur parce que je parle d'un événement où je ne sais même pas encore ce qui va se passer. Donc forcément, je ne peux pas savoir si je vais vouloir la jouer encore plus, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va rester sur Tocorico Raichu cette semaine. Et nous commençons face alors à une team pluie, mais il n'y a pas de Wakwakwak. Il n'y a pas de Wakwakwak. Ce qui est un petit peu surprenant. Attendez, j'ai un petit problème pour mon screen. Voilà, merci. J'ai eu du mal à l'ouvrir. C'est un petit problème aussi bien tactique que technique. Quoi qu'il en soit, nous avons en face Katagami, Tocorico, Karchakrok, Tritosaur, Bekipan et Zeroid. Alors Zeroid, c'est assez rigolo. Parce qu'on a un Karchakrok vis de combat avec Piétisol. Donc il y a moyen de lui mettre complètement à l'envers à ce sympathique Zeroid qui va nous trouver, nous, beaucoup moins sympathique, je le sens. On va envoyer Raichu Coco pour bluffer, empêcher le vent arrière, tout ça, tout ça. Karchakrok, il me semble incroyable dans le match-up, hein, il a lance-flamme pour Katagami, faut pas l'oublier. Et en dernier... Bamboiselle gagne contre tout le monde en 1v1, sauf Tocorico. Je me vois pas ne pas le prendre, hein, concrètement. Tocopillon est super bon dans le match-up. Sauf que Tritosaur, c'est chiant un petit peu. Du coup, plutôt Bamboiselle. Mais c'est vrai que Tocopillon et Bamboiselle, ça se valait quand même. Ça se valait, vu le match-up. C'est vrai que le Katagami a probablement pas la ceinture force, vu qu'il y a un Bekipan. Après, ça veut peut-être dire qu'il est veste de combat. Veste de combat sous la pluie, la puissance cachée feu, elle fait pas le KO, hein. Même si c'est du x4 et qu'il y a un écart incroyable entre mon attaque spéciale de Tocopillon et la défense spéciale de Katagami, avec la veste de combat puis la pluie, laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser. Ok, du coup, Karchakrok Tocorico, ce qui est sympa, c'est que vu qu'on va bluffer Karchakrok ce tour-ci, on va pouvoir savoir directement s'il est mouchoir choix. Puisqu'il va attaquer, on va savoir s'il attaque avant mon Tocorico ou pas, et ça change tout. Ça change absolument tout, du coup, évidemment, un petit éclat magique avec mon Tocorico. Si les mouchoirs choix, le Karchakrok, on se met bien, hein, en faisant éclat magique, hein, bien sûr. Bien sûr, ça me rappelle le vlog de mes vacances. Aïe, aïe. Voyons voir, est-ce qu'on a quelque chose à craindre de la part du Tocorico adverse? Oui, un Z électrique sur Raichu me ferait super chier, pour de vrai. Ça me ferait super chier. Après, je peux quand même envoyer mon Karchakrok, ouais. Oh, abri avec Coco en face, ça c'est délicieux ça. Ça vraiment, ça croustille sous la dent. Double abri. Est-ce que vous sentez la petite attaque encore qui va partir sur le Karchakrok au tour suivant? Et le tonnerre du coup sur Tocorico, est-ce qu'on le voit switch? Il n'y a pas grand chose à faire. Mais j'ai tellement de vitesse au final. Si je fais encore sur Karchakrok... Qu'avons-nous à craindre? On a juste à claquer le Z sur le Pokémon qui arrive à gauche. Donc on va faire plutôt avec la magique encore une fois. Si c'est Tritosaur qui arrive à la place de Tocorico, ça ferait un peu chier. Du coup, éclat magique me paraît mieux. Est-ce que tu veux switch Karchakrok face à Coco Raichu? Tellement pas. S'il en switch un, ce serait plutôt Coco. Après, s'il s'attend encore, il pourrait... Ah, j'ai pas vu son classement, hein, mais... Ok, il retire Karchakrok. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais Tritosaur arrive à droite. Alors, ouais, mettre un Pokémon Sol à la place d'un Pokémon Sol, je suis un peu déçu. Ouais, il aurait pu faire mieux, je pense. Il aurait pu faire plus intéressant. Hein. Il aurait pu faire vraiment plus intéressant. Il est Orbe Vis Coco, ça c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, puisque sur Psycho, je vais mettre demande s'il n'y a pas un KO. Ou alors on ferait bien le Z directement. Si je fais le Z sur ce coco, il meurt dans d'atroces souffrances. Et du coup, mon Bamboiselle est intuable. Littéralement. Littéralement intuable. Du coup, on va envoyer Bamboiselle à la place de Coco. J'aurais pu faire abri. J'aurais aussi pu faire abri. C'était valable. On va bien voir en tout cas. Ce qui serait embêtant, ce serait évidemment un abri de la part du Tocorico, mais bon, sachant qu'il m'a vu faire encore, ça m'étonnerait un peu. Et que son Tritosaur aille chercher... Oh, Tritosaur abri! Oh, c'est vraiment très gentil. Hein.
C'est vraiment très très gentil. Ah, vous avez remarqué, j'ai changé les vêtements de mon dresseur. Je sais que tout le monde s'en fout, hein, mais je le dis quand même. Sait-on jamais. Ok, abri de tritosaure. Je comprends pas, il m'a vu faire encore. Normalement, quand tu vois un Pokémon te faire encore, tu sais qu'il peut tuer un de tes Pokémon. Tu fais pas abri parce que tu sais que tu peux te faire encore à l'infini. Ou alors que t'es obligé de switch à l'infini. Enfin, c'est beaucoup trop chiant. À moins que le mec se dise, ok, je vais bait. Et du coup, il va se faire avoir. Ok, coup critique qui sert à rien. C'est toi avec Psycho, j'ai le KO. Je fais peut-être de la merde là, à faire le Z. Bah, vu le match-up, je pense que c'est pas très grave de gâcher le Z. Attendez, je vais faire le calcul. Raichu Z Tonnerre. Alors, la puissance change pas, hein, que ce soit le signature ou pas. Oh, le mec qui pense. Salut, quoi, comment ça va? Ah, et du coup, il va pouvoir faire plus de dégâts à mon bamboisel. Ça, c'est pas cool. Le truc, c'est que je vais essayer de ne pas roter. Attendez. Du coup, je fais mon calcul là. Tapou. Coco. Avec Psycho, oui, on avait le KO très largement hein, sur Coco, pas investi défensivement. Sur Tonnerre, je suis entre 78% et 92,4%. Je l'ai un peu overkill. Un tout petit peu. Bon, quoi qu'il en soit, je vous disais. Je pense qu'on va faire Tonnerre sur le Béquipant, mais. Ouais, j'espère qu'il va s'attendre à encore. Je vais faire Tonnerre et Tacle Lourd. Si je fais Psycho, je lui ferai pas assez de dégâts pour que Tacle Lourd fasse le KO. L'avantage, c'est qu'en sans le KO avec Tacle Lourd, c'est qu'on va se booster en défense spéciale. Et du coup, eh ben, on va prendre beaucoup moins cher. Malgré la pluie. Alors là, on va quand même prendre cher par la première attaque. Surf! D'accord? Ok. Bon, l'avantage, c'est qu'on va se booster en défense spéciale. Comme je disais, avec Bamboiselle. Avant de prendre l'attaque du Tritosaur. Ça c'est bien. Surf de Béquipant, d'accord, c'est rigolo. Ça justifie un petit peu la présence de Tritosaur à la place de Coquac quelque part. C'est rigolo. Bon, en tout cas sur un coup critique on est complètement baisé hein. Je vous le dis. On se fait pas brûler, ça fait plaisir quand même. Ça fait très 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 plaisir. On va envoyer Garchomp. Je pense qu'on va faire abri piétisol. Je pense. Ça me paraît logique. Oh, quoique. Sur séisme, parce qu'on met pas le Karchakwak adverse à portée de KO. Sur éclat magique. Ça me paraît pas impossible. Après, mon Tokoriko est à portée de KO sur n'importe quelle attaque du Tritosaur. Ça c'est chiant. Ouais, du coup on va plutôt y aller pour séisme. Et abri avec mon ami Bamboiselle. L'avantage du Petit Sol c'est que j'étais sûr de faire deux attaques. Ouais, que là on va prendre Laser Glace. Et derrière on est plus lent que le Karchakrok adverse. Bon, ça change rien au final puisqu'il s'est abrité son Karchakrok. Donc quelque part, oui non, c'était mieux de faire séisme. C'était mieux. Alors après ça se trouve il va faire ébullition sur mon Bamboiselle, hein. Ça ferait plaisir hein. Ça me ferait le plus grand des plaisirs. Ok, c'est une citrus du coup. C'est pas une super berry, c'est mieux comme ça, hein, c'est mieux pour moi. Ça fait bien laser glace. Ah dommage. Parce que là ici sur Vampire. Si je faisais Vampirine sur Tritosaur, j'avais gagné. Eh ouais, le boost en attaque spéciale, on le sent quand même sur les Tritosaur ici. Hein. Parce que je suis veste de combat, je le rappelle. Hein. Et du coup, le Karchakrok, il a pas encore pris de dégâts. Non, mais de toute façon, s'il se laisse prendre séisme. Ah, il peut faire éboulement. En faisant pour faire des petits dégâts, mon Bamboiselle. Ouais. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce qu'on tente un double abri pour récupérer encore avec les restes? Je pense que c'est pas value. Mais je pense aussi qu'on meurt sur ébullition. Vu les dégâts qu'on a pris précédemment, je suis à peu près sûr qu'on meurt. Reste combien de tours de pluie? 3. Je peux pas du tout stall la pluie. C'est impossible. Je n'ai pas le choix que de prier pour que des choses qui n'arriveront pas arrivent. Concrètement. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il joue éboulement. Non, non. Pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Oh non, si je le faisais sur Karchakrok, je me mettais tellement bien. Bon, on se fait flinch.
Comme ça, il peut penser qu'il a volé le match. Mais non, parce que j'ai pas visé le bon Pokémon de toute manière, donc ça changeait rien. Ah non, mais vraiment pas comme ça, Zinedine. Hein. Oh putain, non. Oh, mon dégoût est immense. En vrai, je suis tenté de faire abri avec Coco maintenant. Genre double abri. En espérant que son garçon fasse abri. Pour pouvoir l'avoir une première fois avec éclat magique. Pour l'avoir au moins une fois avec éclat magique. Derrière, son Tritosaur est un peu obligé d'aller chercher mon Tocoreco. Je peux faire Vampigraine sur Tritosaur. Oh, ça c'est bon ça. Cachant que fait abri, ça c'est ce que je veux voir. C'est ça que je veux voir. Remarque, en suivant, j'ai plutôt envie de faire Vampigraine sur Kachakrok au final. Et ça fait Sludge. Bon, il va bien chercher mon Coco. Et il en a peur. Ça, ça me fait plaisir. Et c'est le dernier tour de pluie. Si Tritosaur n'attaque pas mon Bamboiselle, c'est win. Mais je pense qu'il va faire l'erreur. Hein. Je pense vraiment qu'il va faire l'erreur. Tritosaur a plus de PV qu'un... Non, Kachakrok a 108 de Bastard PV, c'est énorme. Mais Tritosaur est forcément investi. Mais il peut vouloir faire abri avec son Tritosaur. Avec son Kachakrok, il va pas tenter le double. Ça m'étonnerait fortement. Il tente avec personne, ok. C'est quoi ça? Ok. Niveau overkill, on va loin là quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il tue pas son Kachakrok et son Tritosaur, je suis bête. Et du coup, il va bien attaquer mon Bamboiselle et je suis à peu près certain qu'il est le KO malheureusement. Enfin, c'est dommage, contre pluie, j'ai un bon match-up. Raichu Coco, c'est un bon match-up contre pluie habituellement. Bon, là, ça, évidemment, je vous fais pas un dessin. Hein. On prend cher. Je ne loupe pas, mais je vais mourir. Malheureusement. Eh oui. Eh oui, on prend le KO. Ah, ce Tritosaur, hein. Ce diable de Tritosaur. Au final, Tocopillon aurait été exceptionnel dans le match-up. Parce que il a rien pris contre Tritosaur. Contre Tocopillon, pardon. Il a pas pris son Zeroïde. Il a pas pris son Katagami. Ça fait chier un peu. Ça fait un peu chier, ouais. Ah, Tocopillon était parfait en fait. Tocopillon mettait beaucoup trop de pression à coup de Psycho sous champ psychique. Ou au pire, de Moonblast. Enfin, de pouvoir lunaire sur Karchakrok. Ah, Tocopillon était génial là. Hein. C'est dommage. Hein. À l'abri du Tritosaur, le tour où je fais Vampigraine dessus et pas sur Karchakrok. Ça fait chier. Ça fait chier. Parce que si je l'avais fait sur Karchakrok, j'aurais récupéré assez de PV pour tenir l'ébullition en fin de partie là. Et du coup je gagnais parce que je récupérais beaucoup trop de PV pour lui. Même s'il avait des flinch avec éboulement par la suite, c'était trop compliqué pour lui de gagner. Parce qu'au final j'ai... Sur abri tu peux pas flinch l'adversaire. Du coup sur abri je gagnais un tour de récupération en plus. Et il était coincé. C'est dommage. Le matchup était plutôt bon. Il était ouvert mais plutôt bon pour moi. Et au final je l'ai perdu. Bah je peux m'en prendre à mes choix hein. Je peux m'en prendre à mes choix ici très clairement. C'est dommage, on va essayer de faire mieux. Du coup, jeudi prochain dans le prochain combat classé, ce sera le dernier combat avec cette équipe, bien sûr, puisque par la suite j'aurai l'équipe que j'ai joué à Liverpool. Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur ce combat, je vous dis sur cette vidéo et du coup ce combat. Et du coup, je vous dis rendez-vous à jeudi prochain pour le prochain combat classé. Salut tout le monde.